Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, eh bien, nous allons parler d'une mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui en arrière-plan sur GTA Online. Mais juste avant de commencer, toujours pareil, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à me lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir. Un très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et vous connaissez la chanson, on peut commencer la vidéo. Donc, allez, on y va directement. Bon, encore une fois, je vous rappelle qu'en arrière-plan, donc, ben, vous ne le voyez pas. Ça se fait eh bien, tout seul. Enfin, ça se fait tout seul est une façon de parler, mais c'était pas une mise à jour à télécharger, donc par exemple, comme l'ancien DLC, le DLC du 25 juin, donc les primes de bottom dollars, c'était un fichier à télécharger, mais là, non. Donc, tout d'abord, eh bien, il y a eu la correction pour désactiver eh bien, les composants d'armes à récupérer dans les affrontements afin d'empêcher l'accès aux armes qui ne sont pas encore disponibles. Ça c'est un peu con quand même, parce que quand on faisait des affrontements, bah, c'était bien pour les armes quoi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a eu la correction d'un bug avec les caméras de vidéosurveillance dans les braquages où les joueurs étaient détectés malgré le port détenu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce problème. Il y a eu la correction d'un bug dans la mission Crime désorganisé, dans le raid de l'usine de Clucking Bell, où aucune carte ou de clé ou récompense n'était trouvée après avoir pété les casiers. Oui, on casse les casiers, nous on les perce pas, on les casse directement. Ensuite, il y a eu la correction d'un bug dans le contrat de l'Union Depository, où les joueurs ne pouvaient pas cacher le balleur LE dans un endroit isolé lors de la mission de préparation clé de l'ascenseur. Il y a eu la correction d'un bug où lorsque eh bien, vous positionnez le Sparrow sur votre héliport de bureau de PDG, eh bien, celui-ci apparaissait en doublon. Donc voilà, ça a dû être corrigé encore une fois. Ensuite, il y a eu la correction d'un bug où les tatouages uniques disparaissaient lors d'un changement de session. Et enfin, il y a eu le patch d'un glitch de contournement, donc le patch d'un after patch, waouh, sur un glitch de God Mode avec l'agence. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira. Voilà. En tout cas, petit like si jamais ça vous plaît. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt. En tout cas, bon game sur GTA Online, c'était BGK. Ciao tout le monde!